Donc Christophe Vitré, je suis arrivé au club en 2012. J'étais joueur, coach et membre du bureau du club, et aujourd'hui au sein du bureau je m'occupe des services. Bon, alors je suis Françoise Le Denmas, je suis au club depuis 1991. Donc qu'est-ce que je fais au club? Toujours le secrétariat, la trésorerie. Je fais tout ce qui est licence, je fais tout ce qui est administratif, et je suis un peu le communicant de chacun. Je m'appelle Noah Dagono, j'ai 10 ans et je joue à Thion. Donc le club de l'AS Thion Gardé, c'est un club, on va dire, de niveau départemental, dans une commune d'à peu près entre 900 et 1000 habitants. On a des jeunes, des équipes engagées en U7, U9, U11, U13, deux équipes seniors, une équipe féminine, donc un club d'une grosse centaine, 150 si je dis pas de bêtises, licenciés. Un club très familial, très rural, porté sur sa communauté, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui à la maison de retraite. On est très proches les uns des autres, quoi. Tous les enfants, admettons, il y en a un qui a quelque chose, tout le monde a la même chose. On ne fait pas de sélection, quoi, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément des équipes très fortes, parce que, oui, on ne fait pas de sélection. On prend tout le monde et tout le monde joue, voilà. Donc l'action d'aujourd'hui, elle se déroule à la maison de retraite. C'est quelque chose dont on discute depuis un moment avec la maison de retraite. Malheureusement, il y a eu le Covid, un certain nombre de restrictions, etc. Donc nous, en fait, dès le départ, c'était de faire une première action qui en suivront d'autres. Alors là, il y avait longtemps que Maki me disait il faudrait qu'on aille à la maison de retraite pour faire une rencontre intergénérationnelle, quoi. Donc aujourd'hui on est là pour mêler du Moki et une petite pratique de foot tout simplement. Et j'ai cru comprendre qu'on passera un petit goûter avec eux aussi. Et bah là avec les résidents on fait du Moki, on joue un peu. On a fait des petits tirs au but et tout, et voilà, assez bien pour leur faire plaisir, ça change un peu de leurs habitudes. C'est très bien pour eux. Donc nous, forcément, on a des équipes inscrites en compétition. On joue pour gagner. Maintenant, on est l'AS Thion Gardé. On sait qu'il y a quand même peu de chances qu'on finisse en Ligue des Champions. Et pour nous, l'objectif, il va plus loin. On a des jeunes. Par exemple, on n'a pas de collège, on n'a pas de lycée. Donc nos jeunes, on est là aussi pour les intégrer dans plus que du foot, leur faire comprendre qu'ils font partie d'un tout. On a déjà fait des choses avec la gendarmerie, avec les commerces, etc. Donc le foot, c'est bien, mais c'est pas uniquement les 90 minutes sur un carré d'herbe. Par exemple, on a fait des quêtes pour aussi le zoo de nos gens le fait, là, qui avaient des problèmes avec les animaux. Et bien plusieurs dimanches après les matchs de seniors, les petits qui sont là, enfin ceux qui pouvaient venir, ils venaient, on vendait des gâteaux et c'était pour le zoo. Alors au niveau du district, depuis plusieurs années, on est récompensé pour nos actions performance. Donc ça veut dire aussi qu'à la fois ce sont des actions qui marchent, ce sont des actions qui sont reconnues. Régulièrement, on a des remerciements par la mairie, par tout simplement des parents ou des gens qu'on va croiser. Pas forcément des gens qu'on connaît, mais j'ai presque envie de dire des gens qui vous remercient pour ce que vous faites et que vous ne les connaissez pas. Ça veut dire qu'effectivement, ça va au-delà des frontières du club.
Alors il y a une chose qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui les buts amovibles qu'on apporte, ils nous ont été offerts pour récompenser plutôt les actions qu'on a pu avoir. Donc pour nous aussi c'est important de nouer du lien, du contact, etc. avec la ligue, avec le district, etc. Comme on dit souvent, nous la STI Rangardier, quand on nous invite à Chartres par exemple, et qu'on nous invite à la table de grands clubs, justement pour l'action sociale, les performances qu'on a, etc. Bah pour nous c'est une reconnaissance, et à chaque fois qu'on nous tend une main, pardon, on la serre, on la prend et on a envie d'en serrer encore quelques-unes. Alors comme on disait tout à l'heure avec Mikey, c'est la semaine la plus importante de l'année puisque ce week-end il y aura notre tournoi annuel. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir un tournoi plein, de recevoir des réponses positives à nos invitations. Le club il sera toujours là l'année prochaine, hein, il sera toujours présent pour développer les actions que tout le monde connaît, le stage, etc. etc. Et il n'y a aucune raison, bien au contraire, qu'on ne continue pas à se développer. Ah ben, je remercie, comme je vous dis, tous les bénévoles qui nous aident, parce que c'est important, important. Sans eux, on ne peut rien faire. Hein. I'm sorry.